Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Guinée au sang, ses hommes noirs, chez nous. Deuxième partie, Critique Info. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Docteur Christian Napesimbo te place à Zali, Pasteur Lifoko du ciel, Napesimbo te place à Zali, un homme extrêmement bien et surtout d'un côté un message, côté Kuna, comme on dit beaucoup la Razali. Moïse Katumbi à l'assaut du grand Bandundu, poursuivant son itinérance. Moïse Katumbi s'implante petit à petit. J'ai comme l'impression que deux partis sont en train de comprendre les enjeux de 2023. Deux partis, à mon avis, au Tissico, vont comprendre l'enjeu de 2023. Ma partie, on est allés malheureusement ou heureusement, ça dépend, il y a Angla Moutou Moutou. Les allés, parti, il y a Batu Lukwebo, parti, il y a Moïse Katumbi. La différence de ces deux, c'est que le parti de Moïse Katumbi, on en parle un peu. Les gens voient, les gens entendent, il y a une médiatisation. Et tout le monde, ça on peut le dire parce que vous savez très bien que Moïse Katumbi, du côté communication, il est très, très, très fort. Si on avait donné ces mêmes atouts au président de la République, Makambo, Tozomona, Oyo, parce que Moïse Katumbi, pour lui, quand on a fait un, on peut dire qu'on a fait 10. Et ça, ce n'est pas sa faute, c'est un atout. En politique, la communication est une arme. Et ça, on peut le voir. Regardez, ils ne sont pas au pouvoir. Mais vous voyez ce qu'ils peuvent faire déjà, ce qu'ils peuvent réussir à faire comme exploit en termes de communication. Parce qu'on a comme l'impression qu'en matière de com, Moïse Katumbi ferme les yeux en matière d'argent. Il ferme les yeux. Il sait que la communication et la sécurité sont des matières pour lesquelles Mbongo Kendarasan Kebatala. Voyez-vous? Donc, quand on veut véritablement communiquer, on y met un paquet. Et côté Kuna, en tout cas, ils ne badinent pas sur la question. Ils savent comment le faire. Et il faut, à un moment donné, arriver à reconnaître. Et ça, c'est une capacité énorme. Mais maintenant, pour M. Batu Lukwebo, il est difficile de savoir exactement ce qu'il a fait. Mais quand tu vas sur terrain, tu te rends compte que monsieur est en train véritablement d'implanter son parti, et parfois partout. Et c'est une capacité énorme parce que lorsque la différence, les avantages et les désavantages de cette politique, c'est laquelle? Quand on est dans l'opposition, la communication, elle est beaucoup plus facile et parfois naturelle, je vous le dis. Il suffit de parler du problème du peuple, le peuple vous accompagne dans cette logique-là, de façon naturelle et innocente même. On vous accompagne. Et quand on est dans l'opposition, on a cette sympathie des gens, en fait, une sympathie naturelle. On dit, bah, l'opposition, bah, la bonne humilité. Et le journaliste ou n'importe qui d'autre est beaucoup plus, il est parfois tenté de plus faire passer le message de l'opposition que le message du pouvoir. Parce que dans son psychique, il s'est dit, au pouvoir, dans un bon européen, ça en a plus, mais au opposition, dans un bon côté. Déjà, lui-même, il se place dans les conditions de dire celui qui est dans l'opposition n'a pas beaucoup d'argent, mais celui qui est dans le pouvoir me donne de l'argent. Et ce qui se passe dans la tête, c'est que il est beaucoup plus serviable par rapport à Moutou à opposition qu'à Moutou à pouvoir. Voilà pourquoi on dit, quand on est au pouvoir, la com, on ne résigne pas. On donne plus de moyens que la com, mais surtout des stratégies pour faire évoluer communication. Par contre, Bato va dans l'opposition. Bango va couper ça, la moitié de ce que ceux du pouvoir donnent et ils ont le double de ce que le pouvoir a donné. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, on le voyait dans l'opposition, mais pas Kakala. UDPS ou les membres de l'UDPS pouvaient appeler 100 journalistes. Mais Bando, il y a 200, 300 journalistes. Pourquoi? Parce que les journalistes qui venaient à l'opposition, ce n'était pas parce qu'ils aimaient l'opposition. Bandoyakuna, parce qu'il savait que le peuple soutient l'opposition. Et donc, si j'écris un truc de l'opposition, je serai lu par autant de personnes, ça va faire déjà mon affaire. Mais quand même ils arrivaient là-bas et qu'on leur donnait 10 dollars par chacun, c'était pas un problème, ils se battaient pas. Bandoufinganate, Koussonate, Bandoufinganate, normal. Mais lorsque les 100 personnes sont invitées à pouvoir,
D'abord, l'idée, c'est l'argent. Et quand vous leur donnez 10 dollars pour le même message de l'opposition, le même message en tout cas à l'opposition, le même message à pouvoir, vous allez voir qu'au pouvoir, on pouvait demander 40, 50, parfois 200. Pourquoi? Parce que vous dites, oh, bango banambongo, bato banambongo. Alors, ce qui mouto aza pour ça, la calcul politique, à ça, à tangi don wanate, alors ça a surpris sur terre. Mais, des avantages, il y a communication, excès de communication, dans l'opposition, ils ont la ranine. Et ça, que vous avez tout déjà mesuré, vous avez mesuré les binous, ceux qui vont commis à pouvoir. Parce que regardez ce que l'UDP est en train de payer aujourd'hui, et ça, bah, binous, quand on donne le votant, il est en opposition. Aujourd'hui, qu'il est au pouvoir, les gens lui bah, juger en fonction, le juge en fonction, et on va la kinang. Mais ce qui doit revenir, dans le cas de M. Bati, et dans M. Katumbi, M. Bati ne communique pas assez sur bah, action politique Nabango. On sent que ce n'est vraiment pas une coordination, il y a communication, on va faire ceci, cela. Et ça, penza bon côté. Mais un travail de terrain est fait, et très efficacement. Contrairement à M. Katumbi, qui lui, la communication elle est beaucoup plus forte, mais le travail sur terrain, il est assez lent, mais c'est la com qui va encore plus. Et ça, c'est bien, ce n'est pas mauvais, en fait. Mais inconvénient, il y a M. Bati, et ça que, les gens ne savent pas ce que vous faites maintenant, dans le temps, bah, au monaté. Mais avantage, c'est que tant que Rolingas soit communiqué, il pourra communiquer facilement et rattraper les retards. Rattraper les retards. Parce que, je vous donne un exemple simple. On dit, M. Fayulu. Vous allez voir que M. Fayulu, personne, enfin, ça ne va pas dire ça, n'avait pas une notoriété nationale. M. Fayulu était un leader. De circonscription. Il était un leader de Kinshasa, son parti, lui, il était plus connu que son parti. D'ailleurs, on cherchait dans le parti de Yair Ranine, quand il était encore dans l'opposition avec tout le monde. Mais regardez, quand on l'a porté à Genève, tout de suite, il a rattrapé les retards, il a battu tout. Aujourd'hui, c'est une figure que tout le monde connaît. Ça veut dire, en politique, tu peux te reposer sur des travaux faits dans le passé. Mais une fois qu'on a relevé un mot, malamment, qu'on a révélé un mot, pardon, bah, tout va mounir et bon, c'est fini, c'est conclu. Et donc, c'est la même chose. Mais malheureusement, les autres partis politiques, pour l'instant, ne comprennent pas. Si Bahati Lukwebo s'installe, et son parti FDC s'installe sur terrain, d'autres partis, par contre, sont encore en train de se distraire. Il y a encore beaucoup de distractions dans plusieurs autres partis. Le parti de Katumbi s'installe na, comme na Bango. Ils étaient à Kisangani, il ne faut pas oublier, hein. Ils étaient à Kisangani, bah, et, bandundu, bah, okay. Et ainsi de suite. Martin Fayulu lui a compris qu'il fallait bande à Pengapé, à Bandina Lissala, à Gobetaboué, à Gobetaboué, à Gobetaboué, à Gobetaboué, et c'est comme ça. Et ils ont tous compris que, et ça ils le font pourquoi? Parce que, naturellement, le chef de l'État avait déjà lancé une tournée. Il était à Kassai, à Okina Équateur. Bangopé, Bandi, même logique. Donc nous avons ouvert la campagne un peu plus avant, mais personne ne va dire qu'on est dans la campagne. Alors, ceux qui disent que le chef de l'État n'a pas le droit de faire une campagne électorale avant, ils ont raison. Mais ils n'ont pas compris que le président de la République, s'il est candidat à la propre succession, il a un avantage qu'on appelle des avantages des fonctions. Il a un avantage qu'on appelle des avantages des fonctions. En tant que président de la République, il peut dire... Je veux me représenter. Ce n'est pas une faute, ni politique, ni d'éthique, ni de bon sens. Et d'abord, avantage, il y a fonction. En tant que président, je peux dire, bon, mesdames et messieurs, Ngaï, Mamouna Bandi, Nortil Sango, dans deuxième mandat. Ce n'est pas un problème. S'il dit même que je reviendrai demander vos voix, il n'y a pas un problème. S'il me dit même voter pour moi, il n'y a pas un souci en ce moment. Parce qu'il est en fonction et ce n'est pas mauvais. Mais... battre campagne, c'est autre chose. Battre campagne, c'est autre chose. Or, par contre, si un opposant, à l'équipe qui a lobby, il faut voter. Ah, là, ça commence à devenir mauvais. Mais un opposant peut dire, il n'y aura pas un problème. Le problème, c'est que parfois, nous voulons faire dire à la loi ce que la loi n'a rien dit. Nous voulons dire, faire dire à la loi ce que la loi n'a pas imaginé. Mais bien sûr, tout le monde. Et tous les problèmes, Manarawana.
Donc voilà un peu, les gens doivent finalement arriver à comprendre. Tomande que le bango l'autre fois, le Bandundu, Équateur, Kivu, Kasai, Congo central, Kinshasa, Katanga, Maniema, Oriental, comment ça va se passer? Quel est le plan? Il y a IDPS pour ne pas partir au Nios. Quel est le plan? Il y a MLC pour ne pas partir au Nios. Quel est le plan? Il y a Ensemble. Quel est le plan? Il y a FDC. Quel est le plan? Il y a ma partie. Voilà. Comment ça va se passer? Parce que tant que vous n'arrivez pas à comprendre, parce que dans ma province, tout, les opposants n'ont que des promesses à faire. Ah oui, et ils n'ont que des promesses à faire. Ils n'ont pas beaucoup de choses, ils n'ont pas des choses à prouver. Ils n'ont que des promesses à faire aux gens. Batobandundu, Togotong Labino, venu Balabala Mongata, Maboko, Togotong Labino, école, Maboko, Équateur, Mabaye Nabino, et Banaso qui est de Bongoté, et on les a transformés sur place, Maboko, qui vous, Togosé, Sabitoumana Est. Et ça, l'opposition peut faire ça. Bate Kaka, rêve. Et ils ont une tâche beaucoup plus facile. Mais ceux qui ont une tâche difficile sont ceux qui doivent finalement proposer, disons, mettre, présenter un bilan. Or, on l'avait dit autrefois, ce qui est chef de l'État comprendre logique autour de la SICO, à Sali, le rôle de la présidente, Moko Asali, à limoger une bonne partie à cabinet naé pour corruption. Ce qui est chef de l'État a tonné sur son cabinet et qui a le rôle de bêler dans le cabinet naé, à remanier le gouvernement et qui a signé ma mission, telle que dans chaque province qu'on fasse deux grandes réalisations les plus importantes dans votre base là depuis quand. L'affaire est réglée. Pas trois. Deux. Quatre. Bandundu, Bandine, le route, le Biwana, vous avez côté nord, il y a Bandundu, la sud, il y a Bandundu, nord, il y a Bandundu, Balabala, sud, Bandundu, électricité, PAM! Boyen Équateur, même chose, nord, Tokyo, Nangoboy, sud, Tokyo, Nangoboy, Boké, Nakivu, Tokyo, Nango, Plamboy, Tokyo, Nango, Plamboy. Vous allez voir, binomoko, comment le langage est changé. Parce que lorsque les opposants viendront, pour le Batambola, Balabala, Batambola, Balabala, Binobo, Tongi. Et quand ils vont commencer à dire que vous avez un avantage, et vous avez un grand avantage côté Wana. Et aujourd'hui, il faut le dire, celui qui touche les routes touche à la population de façon directe. Et dans la ville, Moussoussou, qui est dans le Congo, Balabala, ça fait 30 ans. Ma ville, Moussoussou, Balabala, ça fait 15 ans. Si on tape là-bas, on a gagné. Je peux vous rassurer que si vous tapez là-bas, vous avez gagné et officiellement gagné. Parce que ce qui est dans la province et l'Équateur, les pauvres dames ou les pauvres messieurs font des jours et des jours pour traverser. Maintenant, imaginons que vous leur dites, écoutez, c'est fini cette histoire, nous allons construire des routes. Atta habitume. Ce qui est asphalte, c'est vraiment compliqué. Atta habitume. Ce que je dis, c'est que moi, si on a papa Oyo, avec ça, il y a deux jours pour traverser Balabala. On a commencé à avoir une heure. Namutunae, c'est toi. Omato, qui t'a Namutunae, Zaliyo. Il y a des gens qui n'attendent pas grand-chose. Mais tout le monde, pour voter Fachi, il faut que Bourgoumé s'en ait un. Donc, imaginez. Mais tout le monde, pour voter président de la République, il faut que Bourgoumé s'en ait un commune Oyo, à Longo. Mais il s'est fait que ce bourgoumestre-là est là, ça fait 15 ans. Le type est là. Il a fatigué tout le monde. Donc, Fachi, s'il vient, il dit, ok, yo, Tolongo lié, pas tout chamoutoubou, dans le système, la vie, Tolongo. C'est fini, le gars dit, ok, je voterai pour lui. En fait, les raisons qui poussent les gens à voter sont des raisons très souvent subjectives. Et vous tournez le bloc, Mike. Bah, tout le monde va voter Fachi, qu'à soit qui est peinture, na mama yemo. C'est tout. Bah, tout le monde va voter Fachi, qu'à soit qui, bah, il y a ba net, na équateur, voilà, bah, il y a ba machine, bah, il y a ba pareil, y a ba, comment on appelle ça, bah, pareil, y a ba examen. Parce qu'à l'Équateur, en Mbandaga, je profite pour ça la plaidoyer. Voilà. Batoubaï a Kinshasa pour ça la test, il y a Misu. Batoubaï a la test, examen. Il y a l'examen à Kinshasa, examen par exemple, il y a Colon. Il y a l'examen, il y a ma routine, Penza. Mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Or, ce qui est le chef de l'État, lobby, bon, la politique n'a pas tout qui n'est pas un mécanisme, par exemple, la santé, voici ce que nous voulons. Et le laboratoire est en bandaka, tout équipé. Beaucoup de gens vont voter Fachi, kaka pour équiper le laboratoire. Seulement, il y a des gens qui vont voter Fachi, kaka pour un groupe, et si vous êtes en bandaka, c'est bon, l'électricité. Que ça! Parfois, nous voulons chercher les changements loin, autre ton immeuble, on n'a pas demandé ça. Il y a des gens qui vont voter pour Fachi, kaka pour un pont,
na côté entre Bandundu na Équateur. Parce qu'entre Bandundu et Équateur, pont moko ils ont là, je crois deux ponts ou trois, ou je sais plus il y a combien de ponts, parce que ils ont un bac. Bozu bac, boche mitu kanabino, boche bilo kané bokat ici. Mais ce qu'on dit, on va faire, on va jeter le pont la place ouana. Mais c'est fini, vous avez réglé la question. Donc il y a des gens qui vont te voter. Quand après le moment où qu'est, vous allez qui? Batrousou va voter Fatih Kapo le ngoli pour à tirer dynamique moko en marche et le ngoli gouverneur à Kinshasa. Batrousou va voter pour n'ayant. Quand après n'ayant. Batrousou va dire n'ga pas voter Fatih au gouverneur ou à Kina Koya. Parce que j'ai comme l'impression que vaut mieux au Akala. Hein? C'est comme ça que les gens disent. Moi je n'ai pas vraiment d'intérêt dans ma Kambouana. Mais seulement je dis qu'il y a des gens comme ça. Batrousou va voter Fatih Kaka pour nommer Moutoumoko comme ministre. Va voter. Batrousou va voter Fatih Kaka pour nommer ADG dans ma DGA. C'est tout. Batrousou va voter Fatih Kaka pour coïncider avec la police nationale. À l'ongoli, les généraux, à l'ongoli, ma tête à la police a changé. Batrousou va voter Fatih Kaka pour nommer ma juge Jessica. C'est-à-dire que pour aller voter quelqu'un, il y aura que. On n'a pas grand-chose à faire. C'est de petites choses. De petites choses, sommation d'ango et régler ma camp. C'est parfois nous, nous tous ces compliqués à tâche pour rien. Batoumoussou, ceux qui m'ont observé, une semaine il y a droiture na balabala, batoumoussou sur moto, balati ba casque, na balabala, nous les ongi normal, embouteillage, et sili, parce que, bah, mis tout cas, ils ont respecté le code de la route, ma voie secondaire, et ma ni moko s'est désengorgé. Malem, malem, mais vous avez réglé la question. Il y a des gens qui voteront pour vous que pour ça. Batoussou va voter pour le président parce qu'il doit Nikiti. Batoussou va voter pour le président Raka pour la Borwana. Excusez-moi pour les termes, mais Borwana. Batoussou va voter Fatih car pour la doua Nikiti. Batoussou va voter Fatih car pour une idée. Il y a un coup première pierre dans le port, il y a port, on port en eau profonde, il y a banane. Donc, au moment là, Batoussou va voter car pour la Yango. Et. Il y a des gens comme ça qui peuvent le faire juste pour des petites choses. Mais parfois, c'est quand ça qu'il faut que ton gars soit autoroute, il y a des autres qui sont en train de se faire, qui sont en train. Non, ce n'est pas comme ça qu'on va, on va vraiment voter. Non, il faut déjà te comprendre. Tout ça, il faut déjà y penser, c'est très 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 important. Donc c'était la République qui parlait de Katumbi à l'assaut du grand Bandundu. Assemblée nationale, le C26 menace de déchoir le bureau Mbosso. Géopolis Hebdo, confiance méritée, les chefs de l'État confirment Alain Kaninda pour le mandat à l'ARCA. Amélioration de la desserte en électricité en RDC, Libenge, Zongo et Kananga désormais éclairés grâce à la SNEL. Parce que c'est important, ces choses-là. Mais il faut maintenant les accentuer, ne pas se limiter que Nango. Une certaine coordination, parce qu'un besoin satisfait appelle un autre besoin non satisfait. Ils ont toujours bon. Un besoin d'électricité qui a été satisfait va appeler un autre besoin non satisfait de l'eau. Lorsque le besoin de l'eau sera satisfait, on aura un autre besoin de l'école lorsque l'école sera satisfaite, et ainsi de suite. Mais en moins, la reconnaissance est aussi marquée par ce que vous faites et les promesses que vous tenez. Tu bandis, ah ouais, tu as la projection, les gens ont tendance à croire aux nouvelles promesses lorsque les anciennes ont été tenues. Parce que lorsqu'une promesse a été tenue, elle vous promet que la promesse sera tenue. C'est ça l'avantage d'une promesse tenue. Ceux qui n'ont la cure que l'on peut faire, et qui n'ont pas su, et dans le coup, ils ont la cure, et tant que l'on peut faire, ils ont la cure. Mais ceux qui n'ont la cure, et qui n'ont pas su, et qui n'ont pas la cure, et qui n'ont pas la cure, et qui n'ont pas la cure, et qui n'ont pas la cure. Yangwana balobaka oye vandisaka moboko, oye vandisaka elaka, ezalaka bikokisi ya elaka, oye olaka kibato. Donc quand je promets aux gens que je veux agir, je dois agir. Parce que si j'agis, je me donne l'avantage et surtout la crédibilité, mais j'ai envie de dire la légitimité de mes prochaines promesses. Les gens disent, ah, il y a ce qu'on a acquis à Salak.
Et c'est ça notre plus grand problème. Maintenant, il faut réduire l'écart entre quand je promets et je ne réagis pas. Et moi, je le suis, je le dis et je le dis encore. Ce n'est pas la faute d'un président quand il promet et qu'il ne réalise pas. Je vous explique. Je vous explique. Un président, quand il va quelque part, il doit d'abord, par sa personnalité, rassurer les gens. C'est obligatoire. Un président doit rassurer les gens. Il est le symbole de notre espoir. À comme il a place mon catastrophe en tirant les salimi. Baboti, babungisi bana na bango. Na bandaku na bango. Bilanga na bango ebungi. Mokonzamo kakota la brote pas zongi, ma boko pa zongi sanka lobelo kote. Il faut aloba. Aloba nini. Bande konanga la moni pas sinabino. Naza na bamo ming mingite. Mais tout le monde qui est au bout ici, n'a pas besoin de se faire un peu de temps. Le président part. C'est tout. Ce qui va se passer après, ce n'est plus lui. Les conseillers qui sont autour du président doivent noter la promesse. Ah, le chef de l'État, le but européen, ça va beau. Ok. Domaine, où est-ce que tu as recherché? Est-ce que tu as un domaine? Il y a nani. Oh, t'es, il faut tout à l'heure. Est-ce que. On crée, ou pas on crée, on va puiser, parce qu'il y a une coordination. Dans le cas, il y a ce qu'on appelle un fonds national de risques. Hein. Excusez-moi, ça peut me tromper, je peux me tromper du terme. Mais je crois qu'il y a un fonds des risques. Il y aura toujours. Et c'est une caisse, on ne va pas dire noire, mais une caisse qui ne sert qu'à ça. Babate la rambongouana, kakapona makambouana, exclusivement. Pour ma cambotali catastrophe au Salim, beaucoup sont bons en fond, vous financez en égo égo tananani la promesse au chef à cela qui n'a perspicacité et à conseiller naïe wazawana. Le conseiller qui est là a aucun il note, il regarde babiloko dans la domaine yanani à poser la gestion de la catastrophe qui gère les gestion, la gestion des catastrophes, monsieur. C'est quoi ton tableau? Non, tableau dans la qui bat tout le monde au salaire qui peut promettre. Ok, ok, le chef de l'état vient de promettre Kuna, faites ça en urgence et c'est tout. Et c'est ça, c'est comme ça que le programme, le promet du chef de l'État vont être réalisés. Mais ce qui est président de la République, à Moniba, dans le bien, n'a pas sabino, le président Kéi, n'aïe, n'a pas conseil, bon, tout va Kéi. Mouta rappelé, mouta zate, alors là, il y a eu problème. Mais ce qui est chef de l'État, lobby, n'aïe, n'aïe, n'a pas nabino, n'a pas conseil, bino, balabala, oyo, le chef de l'État Kéi. Le conseiller va voir ça avec le premier ministre. Si le premier ministre va le voir, il va le voir avec le ministre des tutelles. Ils vont regarder maintenant. Le chef a promis balabala kuna. Qu'est-ce que l'on peut faire? Non, on peut. On peut en faisant quoi exactement? On peut appeler bah, marché tel, on peut faire ça, 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 pour que c'est réglé. Et immédiatement, c'est réglé. Donc, vous n'avez pas besoin de dire, présente-toi la question, ça, la tête. Quand un président promet son entourage, ma conseiller naïe, selon secteur, il y a mon corps, ils doivent s'atteler pour trouver le moyen pour résoudre le promet du président. Mais la communication aussi du président doit aider le chef de l'État à ne pas en dire un peu plus quand il se retrouve dans les conditions moussoussou. Voyez-vous, parce que ça arrive, on est humain. Et comme son qui président a géré, il peut dire des choses de façon humaine, de façon à moto. À quoi il n'y a pas de oh, balabou les abonnés. T'as il faut que tu aies balabala haut. Ce n'est pas un homme qui a dit ça, c'est une institution qui a dit ça. Et comme l'État ne peut pas mentir, alors, il faut réaliser les promesses du président de la République. À l'époque, on disait que la parole du chef était une loi. À l'époque, mais ce n'est plus dans notre système. Mais la parole du président, c'est à un moment donné la parole de l'institution. Donc, quand le chef de l'État dit « Mamaye, vous faites tongayango », vous devez le faire. Maintenant, comment le faire? De façon exceptionnelle. Le conseiller rencontre le ministre, pardon, le premier ministre. Le premier ministre rencontre le ministre de tutelle, on regarde le programme qui est mis en place, l'agenda du programme, et on essaie d'inclure directement le programme, la promesse du président de la République. C'est important. Non, nous, on a été placé ça compliqué, mais bon, les gens essayent de voir que c'est compliqué, mais moi, je ne vois pas là où c'est très compliqué. Le vrai modérateur parle de Fayulu San Mozito à Lissala, des intincelles à Lamouka. Je vais demander à Jean-Marc Kabunda de me dire s'il y a un problème. Mais je ne pense pas jusque-là qu'il y a un problème entre Mozito et Fayulu. Tshisekedi, Katumbi et Fayulu en pole position pré-campagne électorale. Je l'avais dit tout à l'heure. Fachi satisfait d'avoir relancé
la diplomatie, échange de vœux avec le corps diplomatique. Et puis, autre chose, élection 2023, la société civile appelle le gouvernement à décaisser et épargner de fonds pour ne pas attendre la participation souvent conditionnée des partenaires. Des sénateurs, de l'UDPS alliés et les démocrates suggèrent la tenue des assises de l'Union sacrée pour une structuration efficace de la plateforme. Devant le corps diplomatique, Félix Tshisekedi se félicite d'avoir revigoré la diplomatie congolaise. Les collectifs des députés nationaux de 26 provinces suggèrent la convocation d'une session extraordinaire pour notamment traiter l'urgence, la question sur le dysfonctionnement de la chambre basse du Parlement. Le gouvernement signe un contrat avec une société italienne pour la construction d'un nouveau palais de justice devant abriter le Conseil d'État. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je continue à dire, soutenez-nous. C'est le dernier jour de toutes les façons. Mais même quand on sera là-bas, n'hésitez pas de nous aider, n'hésitez pas de prier pour nous, n'hésitez pas surtout de contribuer. Et au Salabisso, un très grand plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Guinée aux hommes, ciseaux pinoirs, Daïmada, Chino, Tuenéléye, Nakinia, Panapiko, Namosala, Totongabo, Kakule, Kakitoko, Nakinia, Panakongo. Oh,